Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je m'excuse d'abord pour ma voix. Hein. Vous risquez de pas vraiment m'entendre et vous risquez de m'entendre tousser ou autre, donc je m'excuse auparavant. Mais bon, là. Fallait que je la filme aujourd'hui et je suis pas très très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Bujo. Donc là, c'est pour vous montrer mon mois d'octobre. Comme d'habitude, je suis en retard. Je vais essayer de faire mon mois de novembre les jours qui viennent. Comme ça, je pourrais vous le présenter normalement en temps et en heure. Normalement, hein, je dis bien. Donc, je vais vous montrer ce que... Là, vous savez que c'est mon tout nouveau Bujo. J'ai pas fini celui d'avant, mais il n'allait pas me rester suffisamment de pages pour faire jusqu'à la fin de l'année. Donc, voilà, j'ai décidé d'en refaire un. Donc ma page anniversaire, ma page fête, la page d'après, je peux pas vous la montrer, c'est le numéro important et mes mots de passe. Là je veux faire une page film que j'attends toujours mes washi tape d'Ali pour la faire celle-ci. Là il faut que je mette le titre, mais je me suis commandé des crayons lettering sur Amazon dernièrement, donc j'attends de les recevoir pour essayer de voir, tester là. Donc c'est des petits Pentel, je crois. Je vous montrerai ça en temps voulu, pour le mois prochain, je pense. Et donc voilà ma page série. Là j'ai ma page donc Disney, mais elle n'est pas finie. Puis là je voudrais mettre les films que je veux voir et je sais pas encore trop comment je vais disposer ça. Visite cadeau, la wishlist, et derrière on voit ce. Voilà, c'est pas beau derrière. J'ai collé les deux feuilles du coup. Parce que j'avais fait ma bibliothèque et non, c'était trop pas beau. Donc j'ai collé les deux feuilles et enfin je vais en refaire une plus loin. Donc j'ai ça aussi à faire. Les sagas à compléter. Page lue. Ah, les pages lues. Saga terminée. C'est pareil, j'avais fait un. J'avais écrit, mais j'avais pas laissé suffisamment de place pour finir le titre. Du coup, bah, j'ai recollé un bout de mon ancien Bujo, des feuilles qui me restaient. Et voilà. Donc, on arrive au mois de septembre. Et bah, j'ai fait que la dernière semaine de septembre, en fait, parce que mois de septembre, j'étais en vacances les trois premières semaines. Et enfin, je fais pas de Bujo quand je suis en vacances. Et voilà, du coup, j'ai fait juste la semaine qui m'intéressait dans le mois. Donc j'ai fait un fond, je sais pas si vous allez voir, un fond avec des pastels. Enfin c'est pas... Ça c'est encore avec mes anciennes. Celle d'Ali, c'est pour les cheveux, donc c'est pas top top. Avec des petits stickers bah, d'action. Pour les titres, à chaque fois j'utilise mon stylo, mon pen brush. Bah, il vient du Japon celui-ci, donc je peux pas vraiment voilà, vous mettre de lien ou quoi que ce soit, mais bon, c'est celui que j'utilise pour mes titres. Enfin, c'est le seul qui est suffisamment souple, je trouve, qui est agréable à, pour faire un peu de lettering. Donc voilà, là j'ai mis mes lectures, mes séries et vidéos que j'ai tournées. Et du coup, bah, on a une seule. Voilà. Un seul délise où j'avais fait un effet bijou. Je pense que vous aviez vu. Donc voilà pour cette semaine avec un fond pareil au pastel et j'ai mis des petits pochoirs pour. Et j'aimais bien le rendu. Donc voilà pour mon mois d'octobre que j'ai réalisé donc avec des clear stamps d'action. D'autres peut-être d'Ali aussi pour les feuilles, je sais plus trop. J'ai fait mon fond avec les pastels secs d'action. Là j'ai rien sous la main pour vous montrer parce que bah, tout est dans ma voiture, le sac reste dans ma voiture pour quand je fais du Bujo au boulot. Voilà, il est dans ma voiture et... Donc là par contre j'ai fait tout le mois et je sais pas trop si je vais encore laisser comme ça ou si je vais pas les colorier ces petits je sais pas, mais j'aime bien le rendu. C'est juste voilà, la feuille est fine, donc on voit les voilà
les écritures au dos, et ça c'est dommage. J'ai essayé de faire un petit peu de nuages, mais bon, je n'allais pas forcément le voir, je pense. Voilà, avec du signe blanc. Très bon. Après, pour mes délices, j'ai fait comme ceci. Donc pareil, tous les jours, marqué avec mon pen brush. Et c'est des petits trucs qui viennent toujours d'Action. Hein. Voilà. Donc là, j'ai pris parti de faire une page verte, une page dans les tons orangés. Et on alterne au fur et à mesure des semaines. Là, j'ai fait un effet branche, pareil, toujours avec celui-là. Donc, je trouve relativement simple. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'ai bien aimé faire ce mois-ci. J'aurais voulu le faire un petit peu plus sur le thème d'Halloween, mais je pense que ça sera pour mon mois de novembre. Je vais essayer de faire. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. J'ai pas forcément de sticker Halloween ou. C'est ça qui m'embête. Je cherchais à Action des paper blocks un peu plus automnal et tout, et j'ai pas trouvé. Donc, mais bon. À force, au fil des années, je serai un peu plus équipée, j'aurai un peu plus de matière à faire toutes les fêtes entre guillemets de l'année. Donc, il y aura pour Pâques, il y aura pour la Saint-Valentin, tout ça. J'essaierai d'avoir un peu plus de matériel pour avoir vraiment un thème bien prédéfini pour mon bijou. Mais j'aime quand même bien le rendu. Je suis satisfaite de moi. J'aime bien ces fonds pastels. C'est facile à faire et ça rend bien, je trouve. Mais ouais, je reproche au Lushterm d'avoir du papier trop fin en fait. Voilà, c'est trop fin, on voit ce qui se passe derrière et ça me dérange un peu. Donc il va vraiment falloir que j'arrive à trouver un bujot avec un papier un peu plus épais. Voilà, ça me correspondrait un petit peu mieux. Le fait que ce soit pointé, c'est bien, je veux pas de lignée, mais un papier plus épais, ça serait vraiment mieux. Donc voilà pour mon mois d'octobre. Pas encore si je vais les colorier ou pas. Après ça va, si je les colorie ça va, si j'y vais au feutre c'est mort, ça va tâcher le derrière, donc finalement je vais pas le faire. Ça aussi hein, je sais que ça va traverser, donc. Et bon, voilà pour mon mois d'octobre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées pour les prochains mois. Bon, c'est sûr que décembre ça sera sur le thème de Noël hein, clairement. Mais novembre, ouais, je pense que je vais le faire sur le thème d'Halloween. Je vais essayer de faire des petites citrouilles. Je vais voir ce que je peux faire. Mais j'ai bien aimé le faire. Ça m'a bien détendu. Voilà, ça a été un bon moment à passer. Donc, voilà. Donc moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement pas du bijou. A plus. Ciao.